Nazareth, Bethléem, l'Égypte, Jérusalem. Toutes ces villes, Marie les a parcourues. Sa vie a été comme une longue marche. Mais notre vie n'est-elle pas aussi, chers amis, une longue marche? Nous sommes des pèlerins. C'est-à-dire que nous avons sans cesse à marcher en pensant que nous ne sommes pas arrivés au but et en pensant également que nous y arriverons et que nous ne pouvons pas nous asseoir en disant que tout est fini. Notre vie de pèlerin, c'est ça. Accepter d'être des marcheurs à la suite du Christ, comme Marie n'a cessé de marcher dans sa vie à la suite de Jésus, son Fils. Et pour être pèlerin, il faut accepter de quitter. Quitter ce que nous avons et quitter ce que nous savons pour aller vers un but dont nous savons qu'il est déjà grandiose, cette communion d'amour avec le Père, dans laquelle nous retrouverons tous ceux qui nous ont précédés et à laquelle nous sommes invités. Et dans ce chemin, dans ce pèlerinage, il nous faut, comme Marie, nous abandonner. Nous abandonner parce que nous savons que Dieu prend soin de nous et nous abandonner parce que nous savons que c'est en accomplissant la volonté de Dieu que nous serons les plus heureux et que c'est là que se découvrira à nous le bonheur le plus parfait. Alors oui, soyons des pèlerins et vivrons en pèlerinage avec Marie.